Si vous êtes parfois assis sur votre canapé, votre lit, à la fin de la journée, et que vous vous demandez si votre carrière en valait la peine, dites-vous que vous n'êtes pas la seule ou le seul à vous poser ce type de questions. La première des choses que j'ai envie de vous partager, regardez les principales études. Les gens vont vous dire, c'est pas aussi simple que ça. Regardez les principales études parce que si vous voulez avoir de l'heure juste et rapide avec moi, vous êtes bien servi ici. La dépression saisonnière. Je ne parle pas de la dépression chronique, qui est une pathologie et qui doit être soignée chez des médecins, d'accord ? Mais 90% des dépressions sont des dépressions, entre guillemets, saisonnières. La dépression saisonnière est plus liée à un manque d'énergie qu'à une pathologie. La dépression saisonnière, 9 fois sur 10, est plus liée à un manque de gestion de votre énergie qu'à une pathologie. Ça veut dire que dans ces cas de figure d'aller voir un professionnel de la santé parce que vous pensez que vous êtes zinzin ou de vous goinfrer du barbiturique, c'est inutile. Ou alors si vous voulez faire travailler un peu quelques professionnels à droite et à gauche. Oh bonjour, tu ferais bien 600 séances avec moi pour savoir d'où je viens dans ma vie? Oui, tu peux. Ou alors tu vas voir Franck Nicolas à la tournée santé, c'est juste une journée, ça ira très bien. Il y a des médecins, je blague pas, et pas ici au Québec, en France. Après, peut-être qu'il y en a d'autres, mais en France, ça fait plusieurs fois que des médecins recommandent à leurs patients de venir nous voir à la tournée 110 avant de prendre des médicaments. Parce qu'ils sont compétents, et ils savent que c'est lié à de l'énergie, un manque de motivation, et qu'ils n'ont pas à donner, à gaver leurs clients de médicaments. Et je félicite ces médecins qui d'abord utilisent l'approche douce, directe, mais douce, avant de les goinfrer comme des oies. Ouvre la bouche. Vous comprenez? Alors bravo à ces médecins. Bravo à vous, professionnels de la santé.